Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui, on va faire la course contre une voiture. Alors juste avant, attendez, on est avec mon frérot qui m'a passé la montre et les diamants de tout à l'heure, il est là. Voilà, c'est avec lui qu'on va faire la course. Bon, rapidement avant qu'on la commence, Clio 4RS, voilà, je vous connaissez un petit peu. J'ai à peu près pratiquement 230 chevaux, pratiquement 389 couples à peu près. Hyundai Fastback i30N, 275 chevaux, à peu près 275, ça veut dire quoi? 275 chevaux. Voilà, ça veut dire. Moi, ils comprennent pas. Et 360 couples à peu près. Voilà. Donc, tu as à peu près une quarantaine de chevaux de plus. Voilà. Un bon, ouais, il a à peu près un bon 50 chevaux de plus. On va voir ce que ça va donner. Et moi, j'ai rajouté du poids dans la voiture. Voilà, si je perds, comme ça j'ai une excuse. Bon, allez, on va commencer. Normal. 3, 2, 1. C'est parfait le bof. Mon bof là, tu m'as fait quoi? Tu le manges au démarrage, tu m'as fait quoi? Bah, c'est parce que en fait lui, moi t'as vu, c'est automatique, donc c'est à dire que je dois lâcher, accélérer. Lui c'est pas d'automatique, c'est du manuel. Donc souvent manuel, le bof c'est que ça démarre mieux quand même le manuel. Vu que tu sais que tu lâches, ouais, tu pars direct. Là par contre, vu que c'est du sport, je vais pouvoir appuyer en même temps que... Là je vais pouvoir appuyer en même temps. Tu mets le range control? Ouais. Bah voilà. Alors qu'est-ce que t'en penses? Ah bah... je suis parti avec un peu de retard. T'es parti avec un peu de retard mais tu t'es rattrapé. Ah vite hein. Et voilà. Et voilà. Et voilà ce qu'on lui a mis. Elle rigole pas la Clio. Elle rigole pas, hein. Elle rigole pas, la Clio. Cette petite salope, elle rigole. Tu rigoles pas, là, hein. Tu rigoles pas, là, hein. Voilà. Lui, il va rouler. Dani. Vas-y. Vas-y. Il va faire plus les mêmes fois. Vas-y. Il veut amener son copain. Il veut amener son copain. Je vais donner mon bof, là, je rigole. Là. C'est trop dangereux. La voiture va finir dans la rue. Je rentre dedans, moi. Il passe devant, je rentre dedans. À la jeter, hein. Une putain de machine les gars. Putain, il m'a bouffé ma haine, c'est incroyable. Bon mon beau bof, encore numéro 1 dans le secteur. Encore numéro 1 à tous les grands de droit, secteur. À tous les Lyonnais. Venez, je vous arrache. Non, un jour je vais me taper une Lamborghini, elle va me défoncer. Il va mettre quoi là, le mec de la Lamborghini? Il va attacher la Clio ici. Il va la tirer. Tout ça pour vous dire. Ebeltini, Eshira, tu me rends fou, Ezina. Ebeltini, tu me rends fou, la Clio numéro 1. Venez me défier sur Grenoble. Non, attends. Je vais vous défoncer la gueule. Hey, t'entends ce qu'il dit? Tous ceux qui ont des M3, M6, machin. Bah, on l'a dit déjà. Je vais perdre, mais je suis bon perdant. Mais là, on a gagné encore aujourd'hui, désolé. Bien joué, les gars. Bien joué. Putain de voiture. Ouais. Putain de voiture.
En plus, la sienne, elle est neuve. Je lui ai dit avant, depuis le début, c'est voilà, aussi parce qu'elle est légère, la mienne. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça qu'ils ont mis. Parce que quand je dis à mon pote pourquoi ça c'est en plastique et tout, en fait, Renault, ils ont tout fait pour perdre un maximum de poids dans le véhicule. Tu vois, tout est fait pour. Ben, la prochaine fois, je viendrai avec un launch control et on va réessayer ça. La famille, on se laisse. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé cette petite course. J'espère que vous êtes bien régalés. Prenez soin de vous et d'Amifa. Ciao!